Présidente, nous n'avons rien fait de productif depuis notre dernière découverte. Nous avons presque déclenché une guerre et nous avons tué un lama. Vous avez vu? Si vous dites que vous avez fait quelque chose de mal, puis que vous avez tué un lama, tout le monde vous demande pourquoi vous avez tué le lama. On peut donc faire n'importe quoi sans subir les conséquences. À force de faire la fête ces derniers jours, nous n'avons pas été très productifs. Heureusement, l'un des chercheurs avait un pneu crevé. Quand on l'a regonflé, on a découvert la roue. C'est formidable, c'est rond et on peut en mettre sur plein de trucs.
Présidente, j'étais en train de faire des recherches sur la fission. Présidente, il fait si chaud. Bon, 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 où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est dans tout ça? On a un peu le temps de sécheresse. Alors là, je déteste la sécheresse. Alors, je déteste la sécheresse parce qu'en fait, c'est toujours pareil avec la sécheresse. C'est toutes vos cultures qui tombent en rade. Alors. On va commencer à faire mon grand plan d'urbanisation. Ah, j'avais du charbon ici. Nous avons découvert une nouvelle technique de scanner cérébral permettant d'afficher le contenu du cerveau. En l'utilisant sur moi, nous avons trouvé un grand vide. Et notre univers aussi est avant tout composé d'un grand vide. Coïncidence ? Je ne pense pas. Bon, ça va, toi, tu viens juste de t'insulter d'extrêmement con. C'est pas grave. Bon, notre programme nucléaire. Non, programme spatial. Ah, putain, dommage. On va le foutre ça où ? Bah, ouais. Pour les touristes, bon, les touristes, ils pourront voir. Donc, on va régler les principaux problèmes qu'on a. Alors déjà, on va faire un bureau de chantier. Même plusieurs bureaux de chantier, on va en faire trois. Hein. Voilà. Victoire, Présidente ! Bon, ça, le programme spatial, il faut accélérer la construction. Un gros porteur. Et normalement, dès qu'on a fini tout ça, ben, ce sera parfait. Alors, le tourisme. Non d'une grosse araignée tropicale, Présidente! C'est la crise! Il faut agir vite! L'URSS. Par contre, ouais. Alors, l'URSS. Sont au bord. Non, c'est dommage, il n'y a pas de bateau. Je m'attendais quand même à quelques bateaux, quand même. Bah, c'est pas grave. Vu qu'il y a l'URSS, on va quand même améliorer notre petite armée.
T'as le comporteur, pas encore. Ça y est, c'est fini. Oh, putain, on m'a demandé. On va essayer d'éviter. Même 4000. 9000. Présidente, la guerre vient d'entrer dans une nouvelle ère. Après la découverte de la balistique, nous avons la garantie que 12 bombes sur 10 toucheront leur objectif. Les bombes restantes demanderont gentiment aux civils de s'éloigner avant d'exploser. Alors que là, il y a marqué 10 bombes sur 12. Hein. On va assister à un lancement. Ça va bien. Quand il veut, hein. Présidente, les tropiquiers attendent les élections l'année prochaine. Nom d'une grosse araignée trop. Du coup, là, au niveau des recherches, dans 5 mois, j'ai mon programme atomique. C'est parfait. Et au niveau du gros porteur, au 34004 même. 100 PR. 5 PR. Deep Green. Apprend aussi à jouer à vos échecs, améliore de 10% la relation avec l'URSS, la Russie. Ah, le lancement. Ok. Ça, c'est bon. C'est fait. Vous êtes tous là. Allez, c'est parti. On va développer des habitats. Comme ça. Ça m'apporte combien le tourisme? Ah. Ça porte bien quand même le tourisme. Le tourisme. Présidente, j'ai découvert un atome qui cherche la bagarre. J'aimais balader dans la rue, tout simplement, et puis j'ai croisé cet atome qui voulait la bagarre. C'était une provocation gratuite. J'aime autant vous dire que si les atomes cherchent la bagarre, ils vont la trouver. Alors excuse-moi, mais d'où est-ce qu'ils l'ont trouvé ce mec? Mais alors sérieux, mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Il est fou ce mec. Pas oublier le petit parking. Ah,
votre service. Espion loyal, c'est bon. On a des prisonniers ou pas? Bonjour. Amigo? Bien sûr, il faut pas oublier démolir, pas démolir ça. Tiens. Grand jardin. Tout le long. On s'arrête là. Et du coup, tout le long, on va construire des appartements. Alors, appartements. Vous voyez, là, on ne peut pas construire d'appartements. Je vous ai dit, c'est ma zone résidentielle. On va faire un beau quartier et tout. Alors, le beau quartier. Où est-ce qu'on va pouvoir les faire? Sachant que je garde l'allée centrale pour les administrations et tout ce qui s'en suit par rapport à ça. Là, ça fait mon quartier militaire. Voilà. Je vais faire ici tout ce qui est agriculture. Donc là, ça va disparaître ici. C'est mon plan d'organisation hein, que je vous mets. Hein. Là, je vais mettre le tourisme et l'industrialisation. Je vais le mettre tout là. Avec relié à ici. Voilà. Sachant que dans le bordel, on a quand même quelques mines. On a 3 mines. Dans la zone résidentielle. Mais c'est pas grave. On va pas les utiliser. Non d'une grosse araignée tropicale, Présidente! C'est la crise! Il faut agir vite! À tous ceux qui ont toujours voulu aller à l'étranger sans en avoir les moyens, ne pleurez plus! C'est l'étranger qui vient, Tropico! En armes et en grand nombre! Mais je suis sûr qu'aucune armée étrangère ne pourra s'emparer du palais que défend le général Benuti, moi! Et voilà.
Vous allez le regretter! Nous avons repoussé l'invasion ennemie. Bien sûr, pour tout ça, il nous faut un hôpital. Une cathédrale. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Un supermarché, parce qu'il faut qu'il mange quand même. Ne rien mettre à ce niveau-là. Là, c'est que vos bâtiments. Tout ça, c'est que vos bâtiments. Là, vous mettez vos administrations. Donc, on a mis un hôpital, une cathédrale, un supermarché. Le journal. Voilà, après le journal, un poste de police. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le club avec la place qu'on a ici avec... Ah, on va passer l'argent. $14,000 et $10,000. Ça, on pourra vider un peu tout ce qui est ici. De recherche ici. Du coup, on va pouvoir éliminer après. Dès qu'on aura fini nos habitations, on va pouvoir éliminer ça, ça, ça. On va gagner énormément d'espace, je vous le dis. Donc là, on a fait comme une maison. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Alors 2, 4, 6, 8, 10. On a fait que la moitié pour l'instant. La première allée, on a fait que la moitié. Donc du coup, paf, comme je vous ai dit, hop, le petit restaurant. Et là, paf. Vous pouvez faire une allée. Grandissante. Pas oublier de la connecter ici. Ah, coquette. Elle va m'en obliger parce que je peux. Ah, c'est bon, je peux la mettre ici. N'oubliez pas. La génération que vous pouvez faire. Que vos citoyens passent tranquillement au milieu de l'allée.
Même là, on va essayer d'améliorer tout bien ça. On va gagner beaucoup déjà en espace par rapport au fait que si on élimine ça, on élimine les supermarchés. Donc ce n'est pas à négliger. Présidente, il fait si chaud. Encore la sécheresse. Programme nucléaire, 36 000 quand même. Hein. La petite sauvegarde qui va avec, les amis. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je reviens. Non d'une grosse araignée tropicale, présidente. C'est la crise. Il faut agir vite. Victoire, président.
Et à chaque fois, vous continuez comme ça, les amis. Faites tout le temps ça, et après vous en sortez largement. Allez, ça construit ici. Alors. C'est pas marché bientôt fini. La cathédrale bientôt finie. Alors déjà, loyauté, on est à 69. Loyauté des militaires. Je sais pas, au plus il y a une guerre avec eux, au plus ça marche. Nourriture, on est à 99 quand même. Oh les gars. C'est bien monté d'un coup. Hein. C'est bien monté parce que on a fait plusieurs cultures. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Après, alors en divertissement, on n'a pas beaucoup de divertissement. Alors, du coup, on va améliorer aussi les divertissements. Travail 43, on a 260 chômeurs. C'est énorme, les gars. D'améliorer ceci. Donc divertissement. Hop. Pas trop le choix ça, on va le mettre ici. Voilà. Parc naturel. Un beau petit cirque. Fast food, on peut pas. Deltera, juste là. Un casino. Ici. Un cabaret. Bien sûr, même à ce niveau-là, vous construisez aussi des habitations. Toujours intérieur des parcs. Donc au final, on a combien de logements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Non, d'une grosse araignée tropicale, présidente! C'est la crise! Il faut agir vite! On vous dit qu'on en avait 20. Donc ça fait 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, et là on avait dit qu'on avait 6, 12, 12, 18, 19, 20. Ouais. Donc du coup, on peut gagner de l'espace. Donc comme je vous disais, vous gagnez espace, dit que on peut construire d'autres choses. Par derrière. Ne vous inquiétez pas les gars, vous allez reloger.
sert à rien parce qu'il n'y a aucune route qui va vers toi. Et voilà. Là, on a la moitié des personnes. Faut oublier de mettre les figurines. Parce qu'ils vont deux. Menace élevée pour les rebelles. Logement 44, parce qu'on a 818 sans-abri. Bon, on va juste détruire des habitations aussi. Hein. Nourriture, tout le monde est nourri. Alors, la sécurité publique, on a 3 postes de police. Donc ça va. On va rajouter 2-3 bureaux. Ça va nous aider à construire tout ça. Allez. Ça va bien, si vous suivez ma série, ça va bien optimiser. Non, d'une grosse araignée tropicale. On va faire envahir par l'URSS encore une fois. Pourquoi ? C'est une armée. C'est bon, on a repoussé l'invasion. Donc, comme on avait vu, on ne dépasse pas les 3. Jardin, hop, 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 et le dernier qui dépasse un tout petit peu, et on renvoie. Les appartements, alors bien écolés, hein, les gars. Alors, c'est vrai qu'au début, vous allez un peu galérer sur ce système-là. Mais dès que vous pouvez mettre en place ce système-là, je vous conseille de le mettre le plus rapidement possible. Vous avez les cathédrales, Maintenant, on va regarder au niveau de la satisfaction, au niveau du logement. Déjà, on a perdu des sans-abri. Les décrets allocation logement, on promulgue. On est dans les années 90. Ça au moins on peut l'éteindre. Ça enferme. C'est une clinique. Clinique, épicerie. Camp de bûcheron. Camp de bûcheron, alors excuse-moi, mais pour l'instant, pas besoin. L'église aussi. Le pub. Alors
On détruit tout ce qu'il y a ici. Parce que tout ça, ça ne sert absolument à rien. Ah, ils sont fâchés, on a compris. Hop, hop, hop. C'est dommage qu'on peut pas reprendre sur un modèle. Même que je peux pas le construire. Donc voilà, on a pris l'utilité de ce petit trou. Hop, on recommence à ce niveau-là. Tous à la même loge. Hop là. Dans un peu gros, ça se construit. Du coup, en satisfaction, on est quand même à 927 sans-abri avec tout ce que j'ai détruit. Mais c'est rien pour l'instant. Bon, le plus bas, maintenant, c'est le logement là. Toujours ça va être détruire tout ça, 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 on va tout refaire. Ça ouais, je vais faire une grande vallée, machin chose. On va mettre des tours. Des postes de garde. Je pense que l'industrie, je vais la mettre ici. Là, je vais mettre tous mes trucs. Avec ça, je vais devoir changer de style. Yes, we for you. Et là, je vais mettre mon aéroport avec tous mes trucs. Non d'une grosse araignée tropicale, Présidente! C'est la crise! Il faut agir vite! C'est la crise!
On va faire l'Empire des Tropiques. Bien sûr, avec de partout, ça me perdait beaucoup d'embouteillage, hein, je vous le dis. Hein. Alors là, ça va peut-être poser un petit problème. On va voir. Avec les rochers et tout. Ah, ça va. Je suis très déplacé. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, le damier de se déplacer. Alors, paf. Alors, j'espère que cette vidéo elle va vous aider quand même. Pas oublier de mettre un lycée quand même, hein. Je peux les éduquer quand même. J'aime bien avoir des citoyens éduqués, moi. Je suis tout perdu là. Voilà. Regardez, c'est le meilleur gueule déjà. Présidente, les tropiquiens attendent les élections. J'ai pas le temps pour des élections, là, les gars. Ça coucherait un tout petit peu. On va pouvoir tout transformer en appartement moderne. Oh là là. Du coup, maintenant, en logement, on a moins de sans-abri. Que puis-je pour vous? Richesse moyenne, pourquoi tu m'as invité là? Donc du coup, on va refaire nos industries à ce niveau-là. Comme d'habitude, un petit parking. Pour ma zone industrielle. Un décollage. Ah oui, c'est comment? Allez. Donc on avait dit nos industries ici. Donc, en matière d'industrie, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Alors, une usine à cigares, une usine de distillerie. Joaillier, pas besoin. Mettre une aciérie. Ok, fabrication de textile.
Bien collé, les amis. Hein. Voilà. Non, le parking. Alors, augmente le nombre de personnes qui peuvent utiliser des voitures et améliore la qualité de travail de tout bassin d'emploi en fonction de l'efficacité. Hop, augmente l'efficacité. Ok, sont des êtres sociables qui adorent se réunir dans un endroit inhabituel, et notamment sur les parkings, où ils comparent avec eux. Augmenter le nombre de personnes qui peuvent utiliser des voitures et améliore la qualité de travail et tout bassin en fonction de l'efficacité. Logement, ça c'est un peu amélioré, logement. Tac. Très important. Un doc. Un deuxième doc. Des pêcheurs. Ils sont occupés ou pas, mes logements? Ouais, ils sont tous occupés. Ah, c'est là, non. Il est où le bordel? Interchangé, elle n'était pas tous au même endroit quand même. Quarante-cinq personnes ont quitté mon niveau. Tant mieux. C'est qu'on n'a pas la même vision si vous partez. Je suis furieux! Je n'arrive pas à croire! Allez, je vais fouler Robert. Ah oui, quand même. Je vais passer mon bout. Les rebelles. Donc du coup on se retrouve avec tout ça. Hop, n'hésitez pas à les améliorer. Hop, une évasion rapide avec une reforestation.
Deux usines à cigares. Non, d'une grosse araignée tropicale, présidente. C'est la crise. Il faut agir vite. Donc du coup, hop, comme je vous ai dit, tout ça, on va l'améliorer. Donc, on prend ça, 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 ça. Plantation. Produit des bananes. Ok. Donc, au niveau des bananes. On a au maximum. Il nous en faut deux. Vous êtes d'accord avec moi? Au niveau du cacao, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, maïs. Il nous faut deux de maïs. De maïs, le café. Café, on ne peut pas faire, c'est là. On optimise un maximum. Le tabac. Hop, il est pas bon celui-là. Le sucre. Et on va rajouter encore un sucre. Ça, c'est The Champ. J'aime le coucher de soleil sous le tropico. Construction rapide, comme ça, moi, c'est plus simple. Et à côté, dès qu'on a récupéré un peu d'argent, 7000, 11000, voilà. Bien sûr. Hop là. On détruit cette connerie. Voilà. On va faire un bureau de. Deux bureaux de routier. Pour tout récupérer.
Là, on faisait un peu à la sauvage, parce qu'on était à la période coloniale. Donc, la période coloniale, il fallait explorer. On ne voulait pas tout explorer. La plantation de sucre, on va pouvoir l'enlever. Le tabac aussi, avec les deux industries de tabac. À récupérer. Non, d'une grosse araignée. Une évasion encore. Voilà, on a 50, mais le logement, ça reprend un tout petit peu. Yes, oui, furia. Attaque des rebelles encore. Cause une forte pollution. Donc déjà, on va retirer une forte pollution. On va être extrêmement écolo, les amis. Salut le gamer. Là, par contre, je me retrouve un peu en crise. Produit du maïs, je me souviens pourquoi il ne produisait pas de maïs. Entrepôt de stockage est plein. Ok. Bon, là, ça commence à amener. Ils m'ont déjà détruit un bâtiment. J'aime pas trop, là. Vous avez un cigare, les enfoirés. Rien pour la consommation locale. Hein. Il va falloir encore améliorer tout ça. Au moins 30 000. Yes, oui, furia. On tombe des rebelles. Oh là là. Présidente, des rumeurs prétendent que des rebelles mesquins distribuent... Les Russes veulent lancer des relations diplomatiques formelles avec... Camarade Presidente, j'apporte une terrible nouvelle. Hors de question, vous abandonnez mes usines.
sur le vent du changement. Non, ça s'améliore. Un cargo, il a exporté pour 30 000. Donc ça va. Nom d'une grosse araignée tropicale. Ouais, je sais. Bah, dis-le si... Oh, j'ai quand même 200 000. Alors, toi, ça a été monté au niveau 2. Et que toi, ma bonne espionne. Je vous présente ma dynastie. Et toi, on te passe au niveau 3. Charbon en sortie. C'est pas encore positif là. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire l'usine à cigares juste là. Comme je dis que j'allais faire. Yes, oui, furia! On va faire des rebelles, comme d'hab. Le Politburo a déclaré une amitié éternelle entre l'URSS et Tropico. Il aurait pu me le donner comme produit d'acier et de bauxite. Alors, le tabac. Alors, tabac, il est ici et ici. Voilà.
Présidente, des rumeurs. Présidente, vous ne pouvez pas construire cela ici. Ouais, après, ouais, je vais faire mes élevages intensifs. À ce niveau-là. Donc, on va pouvoir enlever tout ça ici. Hop, là, la recherche est là. On est en 1991. Pas écologiste. Superviseur. Voilà. Puis du coup, maintenant, il va se blinder. Et il va commencer à travailler. Il va l'améliorer, c'est chouette. Bonjour. J'ai entré 540 en tabac et en sort 1750. Vous attendez quoi là? Un pourboire? Je vais faire ma cochon et c'est bon. Des deux chiens à chaque fois. Alors à ce niveau-là, l'appartement bénéficie d'une meilleure qualité de logement car il est placé près d'une route. Okay. Aïe 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 aïe. Moins 25 000. 17 000. Non d'une grosse araignée tropicale, présidente.
Je suis furieux! Tous ces pauvres animaux sans défense dans le nouvel élevage intensif! C'est horrible! Hé, hey, Presidente! Les animaux sont aussi des personnes! Vous devriez les relâcher! Oui, oui, je sais! Ils sont également délicieux, mais si vous voulez un steak, allez le chasser dans la nature vous-même! Presidente, les tropiquiers attendent les élections d'une grosse araignée tropicale, Presidente. 21 000. Je n'en ai jamais refusé. On n'a pas du tabac encore. Non, on n'a pas d'argent. Ah. J'ai encore tout ça à faire avec ça aussi. Alors, c'est un gisement de charbon, gisement de bauxite. Oh, on a que 3 gisements, que 2 gisements. C'est pas grave. Maintenant, ceci, ça, le maïs, on va le fermer. Ah, il faut. Pourquoi améliorer les fermes? Ben, c'est pour améliorer sa production. Donc, du coup, vu que vous améliorez ses productions, vous êtes mieux, vous êtes plus tranquille.
Ouais, ça produit plus, donc vous vendez plus. On est en novembre 1994. Yes, we furia! Ah non, non, non. Nom d'une grosse araignée. Yes, oui, fourri. Quoi, n'a pas de Lui aussi produit, c'est parfait. Lui aussi produit.
Je suis furieux. Alors, environnement. Non. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un carreau à chaque fois. Thank you.
c'est un truc. Intersection trop proche. C'est donc bien dommage. C'est une grosse vague. Nous sommes bimbas, président. On va de plus qu'il y a comme population. La question c'est est-ce que. Il y a une centrale ici. C'est ma banque. Toujours un d'écart. Non, d'une grosse araignée tropicale, président. C'est la crise. Il faut agir vite. Ok. Là, je vais faire les zones militaires. Donc là, du coup,
Hop. Qu'est-ce qu'on devrait construire de plus en plantation? Alors, le tabac. Alors, le tabac, c'est à bout. On y viendra tous à bout. Après, le tabac. Le sucre. Ouais, le sucre. On a besoin de sucre. Yes, oui, fourri! Ah, c'est bien rangé et tout. Je trouve qu'il se fait souvent attaquer ici. Donc, pas une victoire. Je ne peux pas construire. Je me suis trompé d'orientation. Voilà. Du coup, ah. Un petit laboratoire pharmaceutique. Électricité. Une bonne partie de mon île est prise en électricité. Donc ça. Donc électricité. Il va falloir réduire tout ça. Électricité. Comme là, ça produit rien. On démolit. Je crois qu'on en a fait deux. 400, donc le truc m'en faudrait. M'en faudrait deux. Alors deux comme ça. Ouais, deux comme ça. De quoi être tranquille. Yes, oui, fourri! Rebelle, on s'est gonflé. J'ai eu peur, je crois que c'était là. Alors, où est-ce qu'il est? L'autre cirque.
dégâts, vous détruisez le pays. On me conserverait ou quoi ? Faut que je fasse une petite île. À votre service ! On n'a pas de conserverie. Conserverie. Elle est là. Poisson, café, ananas, tout ça pour au final ressortir des boîtes de conserve. Ok, là. Essayez le nouvel antidépresseur de Tropichimie, la société dont vous êtes le profit. J'étais autrefois une personne triste et malheureuse, mais grâce à Fantoilax, je peux de nouveau rire. Je suis le tout en train de toutes les fêtes. Aucun effet secondaire en dehors de la joie pure. Le médicament, produit médicament. À chaque maladie, se remet. Non, mais moi, je peux voir le prix. Qualité du travail. C'est parfait. Nom d'une grosse araignée. Donc on repart sur le bon truc. Donc Ok, là on a quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir un peu? On va pas baisser les impôts, hein? Et on va attendre, hein? On va rajouter les ressources supplémentaires. Alors. En nourriture, on a 67%. Logement, 33%. Putain, on a 1278 personnes dehors. Plus de la moitié de mes habitants sont des sans-abri. Eh bien, on va améliorer tout ça. Et on est reparti pour notre grand plan d'urbanisation. Qui d'ailleurs, en parlant de ça... Ça fait vraiment une bidonville des trucs. Ça, comme logement chez moi, ils veulent pas aller là. Je sais pas pourquoi. T'inquiète pas, toi, je vais te supprimer. Présidente, les tropiquiens attendent les élections l'année prochaine. Allez. Il est prêt, vous aider?
C'est une grosse vague, président. Nous sommes vivants, président. Je suis furieux. Notre point ici. Je pense qu'on va d'abord terminer ici. Hein. D'abord finir les logements. En vrai, c'est ce qu'il faut là. Ouais, ouais. Mais il est pas drôle le truc. Oh. Voilà, là il est drôle. Du coup, la maison. Pour l'instant, logement, toujours pareil. Nous avons une chance d'influencer les résultats des prochaines élections. On ne triche pas. Nous avons les résultats des élections. Voilà. Là, cause de forte pollution. On va réduire la pollution, moi je vous l'ai dit. Et voilà, plus de pollution. En 2003. On n'a pas encore atteint l'ère moderne. Présidente, les militaristes et moi... Purée, de quelle heure il me faut mon programme nucléaire, en fait. Si j'ai pas mon programme nucléaire... Si je l'ai pas... Ça va mal se passer. Allez, tac, 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 tac.
Mon programme nucléaire. Il est là. 320. Il va falloir refaire. Tout le long, je vais faire que de ça. Je suis furieux. Attaque rebelle. On ne produit pas assez là. Oh. Ça veut dire que le bordel. Il est où le bordel? Infrastructure, une centrale nucléaire. Ma dynastie, 144 000. Hop là. Hop là. Non, d'une grosse araignée. Un produit zéro parce que c'est l'uranium. L'uranium. Ah ouais, ça fait maintenant l'uranium. 45 000. C'est quoi qui m'a coûté aussi cher?
Les dépenses, alors le budget des... Ouf, ouais. C'est les appartements. Bonsoir. Charbon, ça sert à rien. Par contre, hop. Le sucre, on s'en va vendre. Le bijou. C'est bien dommage. Comment sur Sud 1000. Il y aura même, il y a eu. Alors, en logement, 33, toujours 1276 sans-abri. Présidente, c'est la fête. Yes, oui, de nouveau au top. Avis aux mélomanes, le concert d'Alizé est annulé pour cause de tornade. L'ironie du sort est parfois bien ironique. Tout le monde reste chez soi.
Je suis furieux. Ah, petite descente de Ragnon. Peut-être que vous avez Ragnon, amenez-le directement à l'usine. On va voir combien il produit. L'uranium. Oula. Non, d'une grosse araignée tropicale. Je crois que c'était le vrai, mais on passe au temps moderne. Tous les bâtiments peuvent être construits, toutes les technologies sont disponibles, vous recevez des jeux jusqu'à 2 superpuissances. Le débat entre les nationalistes et les mondialistes fait rage. Je me place sans hésiter dans le second camp. Allez. J'accueille tout le monde sur la plage et au Jolly Roger, quel que soit votre âge, votre sexe, votre race, votre religion et la couleur de votre surf. On ne vous demande que d'être cool ou mignon, ou même les deux à la fois. Comme Suisse. Et voilà. Ah. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Moi, c'est importé. Sans ce satan uranium. Je ne peux pas produire l'électricité. Permet d'intégrer les unités. Tu fasses foot quand même. Pour
produire aussi du fromage. La même citoyenne de se déplacer rapidement en ville sans utiliser voiture augmente de 10% qualité de logement et approche en fonction de l'efficacité. Excellent. Majuscule pour en construire plusieurs. Voilà. Alors le dresser, normalement le dresser, il est mieux de dire non. C'est du génial. Une nouvelle franchise de fast-food envahit notre île bien-aimée et ils vendent des hamburgers. Des hamburgers, c'est de la malbouffe, mais c'est toujours un progrès par rapport aux sacs en plastique. En même temps, si on peut survivre en avalant que des pochons de supermarché, on peut survivre à n'importe quoi. Je suis furieux. Je n'arrive pas à croire. C'est... Ah, ça y est. Il m'en faudrait deux en fait. Il m'en faudrait deux. Est-ce que c'est total? Est-ce que... Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va commencer à pouvoir détruire. Tout ça. Eh oui les gars, vous ne produisez pas assez d'électricité. Nous ne sommes que des poussières à l'échelle des... Développer des nouveaux appartements. Tout modernisé pour 820 000. Faut leur attendre. Hein. Alors, logement... Ok, la santé, beaucoup de morts, divertissement, sécurité, religion. Allez, on va voir ce que ça donne. Juste une test l'ouverture. 27 000. 19 000. 16 000. 17 000. Oh, on commence à reprendre un peu l'épaule de la bête.
Je suis furieux. Ah putain, pour reconstruire, pour s'entraîner. Ça sort bien lui, hein. Mais comment ça se fait que je suis encore à découvert là? Si je touche des sommes comme ça là. Hop là. Voilà. Tous les navires sont là. Sabrina 2, le voici. Oh, on a deux blessés. Présidente, regardez donc ces lettres écrites. Alors, droit numérique, lutte contre le piratage. Augmente 20% les aides de l'Union. Lutte contre le piratage. Allez, hop. Alors, mondialisation, secteur stratégique, augmente 20% le meilleur prix d'exportation. Ouais, secteur stratégique. Et efficacité énergétique, budget industriel, moins 20%. C'est parti. Il peut loger 16 familles. Et là, il peut en loger 10. C'est pas négligé, ça, quand même. Hein oh. Hop, on modernise. Je présente ma nouvelle cité. Nom d'une grosse araignée. Avec l'électricité et tout le bordel, hein. Qualité de l'appartement consomme tout de plus. Ok, ouais. Je pense que 2000 habitants, ça suffit largement pour demander plus. Aïe, 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 aïe. Ok. On modernise. Je suis fou! Attaque rebelle. On modernise. On s'en fout un peu ce qu'on a fait. Merde. On se fait conflit, mais.
Est-ce que j'ai moins de SDF? Sans-abri. Beaucoup de lettrés. Ah non, la fromagerie. Mille, 53 000, rien que celui-là, tu vends tout, ça y est, c'est fait. Non. Présidente. L'un de nos chercheurs les plus idiots a réussi à nous surprendre en inventant l'eau chaude. Mais quand il a fallu nous trouver une utilité, le projet a fallu tourner en hôte et boudin, car aucun d'entre nous ne voulait se mouiller. Finalement, quelqu'un s'est jeté à l'eau et a proposé d'en mettre dans les hôtels, histoire de faire venir les touristes. Ok. Donc du coup, ouais, c'est plein de plein. Ça fait plaisir. Donc, la qualité de logement, elle est excellente. Je déteste vous apporter de mauvaises nouvelles, vieille branche, mais nous avons provoqué la colère du président russe. Qu'est-ce qu'il a, Poutine ? Le président russe a même annulé sa démonstration de Sambo pour nous envoyer ce message. Nous tendons une main amicale et vous rendez une main malheureuse. Que se passe-t-il quand vous tendez une main amicale, camarade, loup, la mort. Je pense que... un peu arrêté cette persécution. Presidente, les tropiquiens attendent les élections là. Non, d'un gros arrêt. Je suis furieux. Juin 2012, juillet 2012. Donc, c'était à combien pour tout moderniser ? 700 millions. On peut le faire que petit à petit.
Ah ouais, ouais, ok. L'uranium. Je vais mettre tous les bâtons en fait. Faut plus arrêter l'uranium. Hein. C'est de voir vraiment qu'est-ce qui va mal dans mon pays quand même. Divertissement aussi, ça va mal. Non d'une grosse araignée tropicale, présidente. C'est la crise. Il faut agir vite. On se rebelle encore. Et encore pas d'électricité. Ah merde. Je suis furieux. Je n'arrive pas à croire. Oh purée, j'ai un soulèvement. Votre règne prend fin. Comme vous le savez, présidente. Non, c'est bon. Bon. Donc là, du coup, là, pour tout améliorer, il me faudrait 600 grammes.
Je suis à 38%, c'est pas possible. La satisfaction générale, normalement. Alors pourquoi un tel mépris? Communiste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la constitution. Donc, militaire, société ouverte, état totalitaire. Ok. Alors, en fait, dans 9 mois. Putain. 9 mois, mais est-ce que. Ouais, 9 mois pour tout ça. Ça, c'est le commerce. Les décrets. On va faire ça. On va déjà regarder quelles sont les factions. Alors déjà les capitalistes. Ouais, capitalistes. D'approbation au niveau de du soutien populaire. Il attend d'aller récupérer les trucs, les gars. On va extorquer de l'argent aux superpuissances. J'espère que ça va nous servir. La loyauté des militaires est faible. Politique, faction. Ok. Tout ce que j'ai mis en fait. Dans 2 mois, je peux pouvoir modifier ma constitution. Presidente,
Comme vous le savez, votre volonté seule maintient Tropico en un tout unique. Sans vous, toute l'île s'effondrerait dans la poussière et l'oubli. Hello, vieille branche. Saviez-vous que l'UE offre des subventions astronomiques pour l'énergie verte? Techniquement, Tropico n'est pas... Ça y est. Alors, vote des hommes, un état laïque, non. Alors, on va voir exactement tout ce que les militaires n'aiment pas. Un ménage, faction. Alors. Alors, les militaires n'aiment pas, les états totalitaires désactivés, donc ils n'aiment pas, droit du vote universel activé, il lui faut une société ouverte, un état totalitaire, les médias indépendants, ils n'aiment pas, pourquoi? Ok. Donc, la Constitution, le vote des hommes, chaque policier convainc un votant de voter pour vous. Contrôle total de l'État, les médias propagande, ça hop, techniquement maintenant, bon j'ai mis un peu, pour le reste un peu n'importe quoi, mais normalement on devrait s'en sortir bien, voilà. Les capitalistes n'aiment pas beaucoup, mais voilà. Là, les écologistes n'aiment pas trop. Et là, les mondialistes, ils n'aiment pas trop aussi. Mais les religieux. Aide de la communauté. On va soulever le monde, on n'a pas longtemps. Wow! Présidente, nous venons de découvrir Internet!
Une bonne prison, un super mat. Satisfaction remonte petit à petit. Non d'une grosse araignée tropicale, présidente. C'est la crise. Il faut Alors, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai confondu le nombre de population et la date, on est en 2016. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2018, mais c'est pas grave. C'est de moins en moins. L'unité, elle ne me soutient pas. Ceux ayant des valeurs, donc ça va. Sinon, là, bon alors, le capitaliste, donc ça va, il n'y a pas trop de capitalistes. Les écologistes, il y en a quand même. Et les mondialistes. Quand même, hein. On va réduire les opposants. Espionnage, hop. Ça, c'est pas négligé, ça, ce truc. Le problème, c'est que... 300 électricité. Pas trop de volcans. Non d'une grosse araignée tropicale. Je suis furieux. Je suis furieux. Je n'arrive pas. Je suis furieux. Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver. Okay.
Allez. Pour pouvoir dépasser un peu, c'est une attaque complète ou quoi? Présidente, je me suis décidé à faire. Tout modernisé pour 12 000. Ça me prend moins de personnes. Ferme de bananes. Je suis furieux. Je suis furieux! Je n'arrive pas à croire ce qui vient d'arriver! Je suis furieux! Oh non. Un coup d'état. C'était pas le moment d'un coup d'état. Et bien sûr, j'ai plus d'unité. Écoutez, les amis, on va arrêter là. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. On va essayer de recharger juste avant pour voir où a été nos erreurs.